Donc la filière activité physique adaptée santé, c'est une filière, donc un parcours spécifique au parcours STAPS, au parcours universitaire STAPS, et donc qui mélange des enseignements théoriques et pratiques sur la façon de dispenser ces activités physiques adaptées pour des personnes et des publics qui ont des besoins et un handicap un petit peu particulier. Donc ça s'adresse à tout type de public, maladies chroniques, personnes âgées, handicap moteur, handicap sensoriel, handicap mental, sur lesquels l'activité physique adaptée peut avoir des bénéfices et des intérêts majeurs pour la santé, pour la préservation de l'autonomie et de la qualité de vie. Alors l'intérêt de faire venir un public à l'université, c'est vraiment que ça soit plus concret pour les étudiants et qu'ils se rendent compte en dehors de leur stage de réellement ce que c'est d'appréhender différents publics, donc en lien avec maladies chroniques, différents types de handicap et personnes âgées. L'objectif en L2, c'est vraiment qu'ils pratiquent et qu'on les initie à différentes disciplines en les mettant dans la peau d'eux et en associant souvent un handicap, par exemple, donc handicap moteur, où on leur fait pratiquer du basket fauteuil, du volley assis, ou limiter l'amplitude articulaire. Et là, dans ces cas-là aussi, on peut pratiquer de la boccia. Et par contre, sur la L3, on est vraiment sur de l'intervention et de la prise en charge d'un public pour que voilà, ça soit plus concret au niveau de l'intervention. On a une séance par public et par semaine, donc une séance avec personnes âgées et une séance avec déficients mentaux. On a eu quelques appréhensions, surtout pour la première séance, pour voir comment ça allait se dérouler. Après, une fois qu'on connaît notre public, on sait ce qu'on doit faire, du coup ça passe assez facilement. J'étais vraiment impatiente de faire. J'avais hâte, c'était nouveau, donc c'est la première fois qu'on le fait sur Limoges, donc j'étais vraiment contente que ça nous arrive à nous. Le plus dur en fait, c'était de savoir comment on allait adapter chaque séance et comment on allait se débrouiller, parce qu'au début c'est pas facile quand on connaît pas le public auquel on va avoir affaire, mais au fur et à mesure on s'adapte vite et comme on est en groupe, c'est plus facile aussi. On a eu des stages en deuxième année, mais là en troisième année c'est vraiment nous, c'était nous qui faisions les séances, c'était nous qui les préparions. Du coup, évidemment, on se pose des questions, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'ils vont rentrer dedans ou plutôt rien faire. Et franchement, ils se sont bien adaptés à nous. Non, c'était des appréhensions qui, au final, vite parties, parce que dès la première séance, ils ont été très sociables, ils nous ont vite adorés, quoi. Ils avaient envie d'être là. Pour bien réussir sa séance, il faut surtout adapter les consignes, le matériel, la mise en place, s'y prendre assez à l'avance. L'évaluation, c'est primordial, du coup, pour bien connaître le public qu'on veut toucher. Ouais, leurs capacités, leurs limites aussi, pour savoir ce qu'on pourra et ce qu'on ne pourra pas leur faire faire, malheureusement. Après, c'est toute une méthodologie à acquérir, et ça, on le développe avec des cours plus magistraux, théoriques. On prépare tout de manière très structurée pour pouvoir faire face à des situations, à n'importe quelle situation en fait. Alors en fonction du public, les adaptations ça va être matériel surtout. Après aussi au niveau des consignes, où avec les différents groupes on en a qui ont des gros problèmes de compréhension et d'attention. Donc il faut que les consignes soient claires et courtes. Plus on crée un lien avec eux, plus ils vont aimer la séance. Et évidemment plus ils vont aimer la séance, plus ils vont être impliqués. Et donc du coup, la séance se passera bien. Donc je dirais l'animation. Il y a une réelle évolution du comportement des étudiants entre le début de l'intervention et la fin, car on est quand même dans une pédagogie encadrée où l'enseignant est là du coup pour réguler en cas d'erreur. Et après, à la fin du cycle, du coup, les étudiants ont plus confiance en eux. Donc cette fois, en troisième année, on pratique et c'est nous qui faisons la séance dans les stages. Et je sais que personnellement, d'avoir fait des séances avec des personnes âgées, à mon stage, j'étais beaucoup plus, plus à l'aise. Ça m'a mis plus à l'aise, plus en confiance, même l'animation, plus on va en faire et plus on sera à l'aise et plus les séances se passeront bien. Donc c'est très enrichissant, vraiment. On sait que ça va nous apporter beaucoup de choses pour la suite.
Ça peut nous apporter un panel assez large de compétences nous permettant plus tard de faire face à tout type de public. On n'adaptera pas de la même manière face à un public de personnes âgées ou à un public en situation de handicap moteur, mental, etc. On apprend beaucoup de trucs en cours, beaucoup tout ce qui est théorie. Et là, quand on arrive enfin à le pratiquer, là, on voit vraiment la différence. Donc, c'est que comme ça qu'on apprend, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et là, ça se ressent. Donc, même au départ, on était un peu à tâtons, donc on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et maintenant, plus les semaines avancent, et plus on sait comment s'y prendre. Et ça va beaucoup mieux, et ça se ressent. Les séances sont bien adaptées à nos résidents. L'évaluation donc, du départ a été plutôt bien faite et les groupes sont de niveau. C'est très bien organisé et nos résidents sont contents de venir les retrouver tous les jeudis parce que enfin, voilà, y a un lien qui s'est créé. Du coup. On a certains résidents qui ont des difficultés de compréhension, même au niveau de la communication verbale et tout. Et c'est vrai qu'ils ont su prendre le temps et s'adapter vraiment au handicap, à la pathologie de chacun. Donc vraiment, ouais. Non, c'est très bien. Ça. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, bravo, parce que c'est très varié. C'est très différent à chaque fois, ils ne font pas toujours la même chose, ils sont à l'écoute de la personne. Moi-même, j'ai été vraiment étonnée, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont été formidables dans l'approche de la personne âgée et ils ont su mener à bien leurs activités. Ils en sont quand même à un niveau, je trouve qu'on voit qu'il y a eu un travail en amont de fait. Ils ont préparé leur séance du mercredi. Je trouve que c'est très bien et très bien préparé. J'ai eu une appréhension parce que, connaissant pas le milieu, il y a des années qu'on a quitté les étudiants. Hein. Donc oui, j'ai eu une appréhension, mais bon, je suis venue. Ça peut toujours nous apporter quelque chose, quoi, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'activités, nous. Hein. Le quotidien change, oui, on est impatient déjà de venir, on est très contente. Oui, ça nous aide pour le ménage, pour faire plein de choses, certains gestes, quoi. Oui, c'est très agréable, oui. Ça aide au moral, en fait, un petit peu. Le fait de bouger un peu, on se force à bouger, et voilà. Je fais des exercices qui me plaisent. Donc ben, ça me plaît, j'ai pas de difficultés depuis que je suis au STAPS, donc ça se passe très bien. J'ai l'impression que mon quotidien change parce que je m'ennuie pas. Je vais vous dire que ça me plaît énormément aussi. Ah oui, je ne manquerai pas un lundi quand il y a cours. Les étudiants sont très gentils. Alors ça, ils sont vraiment patients. C'est surtout ça. Avec les personnes âgées, vraiment, c'est formidable. Ils sont formidables.